Jedi et mes petits agneaux Sith, ici Starcade, votre hôte, en direct de Star Wars The Republic avec la Jedi écologique, la Jedi verte, Erika, n'est-ce pas? Bon, c'est un nom qui n'est pas très approprié vu le désastre d'Erika lui-même, mais bon, je vous salue, un petit big up pour commencer à Monsieur Landers, à John Mouloud, à tous les petits youtubeurs qui forment un groupe de plus en plus important. Quoi qu'il arrive, c'est un groupe qui grandit, c'est un groupe qui s'étoffe, c'est un groupe qui fait partager ses passions, que ce soit aux youtubeurs eux-mêmes, petits youtubeurs, ou aux non-youtubeurs, d'ailleurs de plus en plus de non-youtubeurs en fait, qui ont seulement un compte, viennent s'abonner ou écouter le groupe, ou en tout cas voir ce que font les petits youtubeurs, leur petit talent, leur petite étincelle. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Et pour cela, bah, big up à Monsieur Landers depuis le début du projet, le projet des petits youtubeurs. Voilà, voilà. C'était mon petit big up de la journée. Et pour ce qui est de la mission, des missions de la série bonus de Taris, nous revenons donc sur Taris, la planète dévastée par les Sith il y a 350 ans ou 300 ans, je ne sais plus exactement, par Darth Nihilus, un seigneur Sith totalement délirant, totalement fou, totalement génocidaire. Voilà. Donc, on en étions à Mission Suicide, commence bien. Et nous avions deux missions, nous avons fait deux missions héroïques déjà, et qui sont très bien déroulées, sauf qu'il y avait tellement de monde que la deuxième mission héroïque, eh ben, j'ai dû attendre des plombs pour avoir la possibilité de la faire, vu que les respawns étaient assez espacés. Donc, on va commencer par Irrécupérable, je crois que c'est... je crois que c'est Dana Hunt qui m'a donné comme mission d'aller récupérer des équipements de survie, donc parce qu'elle l'utilise pour organiser que voulais-je dire moi, ça y est j'ai perdu, elle voulait l'utiliser pour normal, pour que les colons puissent s'installer à nouveau, pour organiser leur survie. Donc comme les pirates l'ont volé, il va falloir la récupérer. Donc Irrécupérable se situe où? On va aller sur la carte. Je crois que c'est dans... C'est pas ici, je crois que c'est là. Par là-bas. Voilà. Et nous on a une mission ici qui est Mission Suicide. Il faut aller scanner la plaque glissante. Hein, qui a été... Les gens ne veulent pas y aller parce qu'il y a plein de ragoules. Je crois. Alors, on va y aller hein, tranquillement. On va partir au nord. Avec notre très beau speeder de KOTOR. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde va bien par ici, le StarCade va pas mal, on est presque arrivé aux 1200 abonnés. À l'époque où cette vidéo tournera, je ne sais pas combien j'en serai, mais c'est pas mal, la chaîne continue à vivre, à vivoter, il y a beaucoup moins de vues que d'abonnés, c'est sûr, hein, mais j'ai tellement de jeux différents que il est possible que certains se focalisent sur un jeu et pas sur un autre, donc voilà. Je suis très éclectique et comme mon public, je pense aussi. Et l'important, c'est de partager. Je crois que je me suis planté de direction. Ah non, c'est bon. Ah, c'est ici qu'il faut faire le scan, je crois. Mais il y a des ragoules, évidemment. Et ces couards ne voulaient pas y aller. Malgré leur équipement assez important, quand même. Hein, je veux bien l'avouer. Allez. Faire un saut sur une ragoule. On va lui apprendre à vivre. On voulait juste discuter un tout petit peu, mais elles veulent pas, elles. Hein. Ça, c'est... Ah bah voilà, et bah voilà. Hop là. Pan. Tiens. Et 3 ragoules en moins, 3. On va scanner, je crois qu'on est juste sur la zone de scan. C'est parti. Voilà, scanner les points clés. Je pense que c'est pour la construction d'immeubles, en tout cas de bâtiments, je pense. Qu'ils veulent faire de la... Parce que là, la plaque glissante, regardez. Bah, c'est comment dire, c'est une place qui a... qui s'est mis totalement à l'envers. En tout cas qui s'est incliné de au moins je dirais 20 degrés. Donc ça fait un peu tâche. Tiens, on peut scanner ici je crois aussi. Ou pas, ça c'est le... Non, je crois que c'est le bonus en fait. Ouais. Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour vous. Qui êtes-vous de bonne race? Avec T4 U5. Bonjour, bonjour. Vous êtes un Jedi? Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Y être seul ici? Bah, non. Je m'appelle Devon Race, madame. Maître Sylvart m'a autorisé à venir sur Taris pour explorer l'ancienne enclave Jedi. Oui. L'enclave Jedi.
J'ai jamais entendu parler d'une enclave Jedi. Il y a plusieurs centaines d'années, les Jedi avaient un avant-poste sur Taris. Ils sont partis peu avant que la planète ne brûle. Je suis venu récupérer ce qu'ils ont laissé. Ouais. Entre la faune et les voleurs, je n'ai pas beaucoup eu de chance. On espérait trouver des holocrons, des journaux. Ouais. En bref, l'histoire Jedi. Mais on savait que ce ne serait pas une mince affaire. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens d'ailleurs. Sur le côté Taris, Empire, il y a ça aussi. Donc pourquoi vous êtes venu ici si vous pensiez que ce serait difficile à trouver ? Si vous ne pensiez pas trouver grand-chose, pourquoi vous donner la peine de venir ? L'ordre est en plein désarroi, et on a perdu le temple de Coruscant. On doit donc exploiter toutes les ressources disponibles. On construit l'avenir. Maître Sylvart m'a expliqué que tous les artefacts laissés sur Taris sont cachés, protégés, ouais. Scellés dans des piliers de ferro-ciment ou dissimulés dans des statues. On a des sabres laser et des blasters. Si vous pouvez enlever les couches extérieures et trouver dans ces ruines quelque chose qui appartenait à l'enclave, apportez-le-moi. Je vous en serai reconnaissant. C'est une bonne idée, mais pourquoi tu le fais pas avec moi ? Ce serait sympa que des missions comme ça, les gens viennent avec moi, en fait, pour le faire. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on va essayer de retrouver les reliques Jedi, hein. Voyons un peu. Déjà, on va scanner par ici, je crois. Ouais. Hop, on peut scanner ici. Scannons, donc. Oui, eh ben, c'est très très joli, Star Wars. Cet endroit est magnifique, totalement détruit. Oh, regardez, les reliques Jedi. Ah, ça fait mal quand même de détruire des... Ah bon, allez, récupérons la relique. Parfait. C'est gigantesque, cette plaque glissante. Et je trouve qu'en fait le sabre noir-violet ne va pas très bien avec la tenue verte, mais bon. Ça fait kitsch, hein, ça fait néon. Néon de boîte de nuit. Est-ce que je vois d'autres choses? Ah, je vois une relique Jedi au fond là-bas. On va y aller. J'ai dit qu'on allait y aller. Ah oui, je peux pas courir avec en prenant le speeder comme sur l'autre serveur où j'avais acheté l'avantage. Allez, hop là. Viens par ici, ma petite relique. Et prenons-la. Paf. Petit holocron. Ça ressemble beaucoup à un holocron en tout cas. C'est ce que je ramasse. Rangeons le sabre, ça sert à rien. Kira, tu vas ramasser un petit peu de. Faire là-bas, s'il te plaît. On aura besoin. Et les endroits à scanner. Ici, c'est bon. Il y a aussi le bonus, mais bon. Tiens, j'ai envie de me faire celui-là. Tiens, pour Le Pen. Oula. Pour Le Pen. Ouais, je parle à la anglaise, ou en tout cas, où je dis le nom d'une famille très, très connue. Sur Taris. Pour La Pen, je voulais dire, et non pas par Le Pen. Pour Le Pen. Et hop là, allez, une rangoule rampante. Bonjour, rangoule rampante. J'aurais bien voulu discuter avec toi, mais c'est pas ton cas, j'ai l'impression. Explorons un peu l'environ. Ici, c'est quoi? C'est un. Non, c'est un commando de la République infectée. Je comprends pourquoi il voulait pas venir en fait. On va sauter par là. C'est un peu mal, mais c'est pas grave. Ah, une relique là-bas. On va peut-être se faire les petites rangoules. Bonjour, rangoule. Comme c'est pas une zone héroïque en plus, ça pas grand chose. Hop! Voilà. Et bon, c'est pas non plus des ragoules très très solides. Quand elles sont pas trempées dans des liquides radioactifs comme dans l'H2 de la dernière fois. Il y a une espèce de nostalgie puissante qui se dégage en fait du lieu. Cette enclave Jedi. Les gens avaient mis des reliques dans des statues pour préserver pour le futur. Intéressant. Je sais pas à quoi exactement ça pouvait leur servir. Pour les cacher quelque part. Ou alors c'était peut-être des gens qui voyaient le futur. Ils disaient peut-être que le temps de Coruscant serait détruit, ma chère Kira. C'est pas chouette le travail en équipe. Si, si, c'est très chouette, Kira. J'avoue. Bon. La dernière zone à scanner. Ça, c'est la scan ou c'est. Non. Ah, Early Jedi. Le scan est plus vers le nord, je crois. Ouais. On va scanner, mais d'abord on va se faire les petites. Tiens, j'ai pas tant DPS pour la peine. Ça ira plus vite. Allez, va te faire un petit shoot. Hop. Hop là. Je me soigne pas, mais bon, elles sont tellement peu dangereuses ces ragoules. Allez, fini là. C'est vrai que là, je peux l'envoyer sur les groupes de ragoules, y a aucun problème. Tellement elle est puissante, cette petite Kira. 10 000 points de vie.
Et moi je suis à 5900, mais c'est du délire. C'est... Bah, en fait, en plus, tant. Plus on gagne en influence avec les partenaires, plus ils gagnent en puissance, en résistance, en attaque. Donc là, je pense qu'elle a franchi un palier parce que j'étais pas aussi, aussi élevé là. Allez, vas-y, va tuer des ragouls pendant que moi je regarde un petit peu les environs. Voilà. Bon, le point à scanner c'est par là-bas plutôt. T'en es où? Ah oui, ça va très vite en effet. T'as déjà fini. T'as déjà fini quoi, j'y crois pas. Vous voyez donc la puissance des partenaires maintenant, hein, c'est incroyable. Là, comme une grande, elle y va. Voilà. Elle va se faire toutes les ragouls qui sont là. Et non, elle est scannée qui. C'est pareil, c'est le scan, je crois. Voilà. Je vois le scan. Bon, tu te débrouilles bien, ça va? Ah ouais, en effet, c'est incroyable quoi. Allez, scannons. Et après, on va aller voir ces petites reliques là-bas. Tu vas finir le bonus, ma chère Kira. En attaquant la ragoule pillarde et ses copines. Et moi, je vais m'occuper ici de cette relique. Fouillons, fouillons. À coup de sabre laser. Décapitons la statue. Bon, c'est pas, ce sont pas des œuvres d'art extraordinaires, c'est sûr. Voilà. Il reste qu'une ragoule pour le bonus. Eh ben. Allez. On va se faire un petit plaisir alors. La li la li la la. Là, c'est une balade de santé là. Enfin, par rapport au H2. L'H2 déjà c'est une balade un peu de santé si on prend groupe par groupe, mais alors ici là. Pouf, je dis ici et là. Je devrais pas dire ici et là. Je devrais dire ici dans ce lieu. C'est encore plus flagrant. Oh, je critique pas la 4.0. Hein. Enfin, je l'ai critiqué déjà il y a dans 3-4 épisodes, mais. Alors, est-ce que ça va compter ça? Débarrasser la zone des ragouls. Je pense pas que ça comptera. Ce sont des fusillés. On va voir ça tout de suite avec les ragouls qui sont là-bas plutôt. On va finir le bonus quand même. Et on va te soigner un petit peu quand même. Hein. T'as quand même pris, hein. T'as pris un peu cher quand même, Kira. C'est vrai que t'es qu'en DPS, hein. T'es pas en temps. Et je vais t'aider un tout petit peu. Hop. Allez, en avant. Écrasons les ragouls comme des insectes qu'ils sont. Non, pardon, je suis pas site. Les pauvres gens qui sont devenus des ragouls. Oh, c'est trop bête. Bon, allez, retournons auprès du Jedi qui est totalement perdu ici, qui aurait dû mourir depuis longtemps, vu qu'il est entouré de ragouls et de commandos de la République infectée. Alors, ou alors, la force dissimule très très bien. Ce qui m'étonnerait. Bon, ma chère Devon. C'est un plaisir de vous revoir. Bah oui. Vous avez vraiment fouillé les décombres? Ah bah oui. Voici la preuve. L'histoire des Jedi sur Taris. Je ne reconnais même pas ces artefacts. C'est exactement ce qu'il nous faut pour reconstruire l'ordre. Je le savais. Fantastique, hein. C'était le moins que je pouvais faire. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je les rapporterai intacts au maître, je le jure. Merci, mon ami, merci. Que la force soit avec vous. Ouais, je t'ai apporté un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce vert. Ah, niveau 28, bah voyez, j'ai commencé la série bonus, j'étais niveau 24, je crois. Et voilà, mais voilà niveau 28, j'ai gagné 4 niveaux, c'est indécent la manière dont on gagne des niveaux maintenant dans Star Wars. Bon, c'est pas plus mal si vous voulez accéder au contenu au niveau, mais je pensais que ça rendrait les choses plus difficiles en fait, d'avoir des synchronisations de niveau, mais finalement ça ne fait absolument rien. Donc je vais rendre au sergent Mac, je crois. Voilà, c'est ça. Faut que j'aille à l'avant-poste qui est ici. Eh ben, on y va. Hop. Navette d'extraction pour Erika, Jedi gardienne. Qui a une couleur tout à fait appropriée pour Taris, c'est-à-dire le vert bouteille. Le vert clair, le vert foncé. Tout ce qu'il faut. Pour redonner à la flore, ici, toute sa puissance avec la force. Et oui, moi, c'est force verte! Ouais, d'accord. Je vais arrêter là. L'abus de plaisanterie. Sergent Mac, au rapport. Eh bien, regardez ça. La revoilà en un seul morceau. Eh ben, Et elle a pas l'air de s'être transformée en ragoul. Bah non, la pente glissante, eh, c'est... Eh, bande de larves. C'est regardez-moi si bien, que ça versez pour votre moi. Récompense à quelqu'un Jedi. Qui la mérite. C'est du bon boulot. Ces relevés seront très utiles à la reconstruction. Et moi, je vais enfin pouvoir ramener ces mioches à leur maman. Le bleu des yeux d'Erika, je sais pas, ça contraste pas bien avec son vert de peau. Enfin bon, c'est pas grave. Oh, je suis doué, je sais, non, pardon.
C'était un honneur, capitaine. De rien. Ah, le dialogue de minimaliste. Et hop, influence plus 400, ça va augmenter sa puissance, je sens. Ça va. Oui, c'est si je la passe en tank, qu'est-ce qui se passe? Elle gagne encore plus de puissance, je suppose, de points de vie. Ouais, encore plus, 10 947, presque 11 000. Eh ben, bon, je la laisse en DPS. Voilà. Et je vais de ce pas ici, donc il faut que j'aille au l'avant-poste de recherche Lit. Allez, on va se faire un petit Lit. Et on va acheter des coprolites. Et on va se faire des monolithes. Vous savez très bien ce que c'est que le monolithe, non? C'est sur Zyost, il y a un world boss qui s'appelle le monolithe, qui est absolument magnifique. Il est vraiment d'une beauté fulgurante dans, dans le Zyost désolé, la désolation de Zyost. Et pouf, c'est très difficile à faire, mais qu'est-ce qu'il est beau, hein. Et une fois qu'on l'a fait, on se dit, on a participé à un événement d'une grande ampleur. Bon, je vais dans la mauvaise direction, mais finalement, je vais donc sur l'espèce d'immense tube, peut-être l'ancienne partie du métro ou du tram. Je vais dans la mauvaise direction, et maintenant, je vais dans la bonne direction, vers le sud. Pour aller récupérer l'équipement de survie de Dana Hunt. Et je pense que ça devrait conclure la série bonus, mais je suis pas sûr, on va voir. Donc pour conclure aussi sur la 4.0, ben, pour l'instant, malgré l'indécente facilité à faire monter de niveau. Il y a toujours un charme à ce jeu qui fait que l'histoire, les missions cinématiques, cinématisées en tout cas, le fait que ce soit dans des environnements assez enchanteurs, il faut bien le dire, hein, que ce soit aussi dans Star Wars, ben, moi je suis biaisé, j'aime beaucoup, j'aime trop même, on va dire. Et je vais arrêter de dire on va dire parce que ça commence à m'énerver. Je sais. Bon, alors ici, les pirates, ils sont par ici ou pas? Kira, qu'est-ce que tu en penses? Oh, moi j'en pense rien, moi. Je sais que je veux juste dégommer du pirate avec mon sabre laser. Bon, écoute, fais-toi plaisir alors. Hop. Faites vos prières. Bon. Où est le matériel? Il est sur les pirates peut-être. Voilà. En plus il y a un petit bonus, c'est bon, on va se faire un petit plaisir de châtier des pirates, des petits malandrins. Alors. Est-ce que c'est sur les pirates? Ou est-ce que oui, ça va être sur les pirates, je pense. Je sens me souvenir, il y a très longtemps j'avais fait cette mission et c'était sur les pirates. Maintenant à savoir. Ouais, c'est ça. Équipement sur les pirates. Ah ah! Vous pensiez quoi? Hein? Pouvoir me vaincre aussi facilement? Non mais oh! Agent d'exécution pirate. Ça va pas faire longtemps. Exécuteur exécuté. Voilà. Oh, joli bleu. Qu'est-ce qu'il me donne le joli bleu? Oh là, j'ai un. Ouh, j'ai un ralentissement. Ça fait peur. Je sens le plantage. Eh oui! Je sens le plantage. Bon allez, à tout de suite. Ah bah non, pas planté. Pas planté du tout, mais c'était limite. Hein. Non, c'est pas terrible, je le vendrai donc. Ça, c'est une relique que je peux mettre d'ailleurs. Ouais, pour la mettre. Ou pas. Si, c'est bon, voilà. Je l'ai mise. Il y a du monde là-bas. Ah non, ce sont des pirates qui se battent contre des ragouls. J'aurais laissé se faire tuer, mais c'est moi qui vais les châtier, pas les ragouls. Pas beaucoup de monde ici. Bon, vous vous rendez et vous donnez l'équipement, sinon je vous envoie Kira. Et Kira, c'est pas une douce, hein. Ah bon, d'accord. Bon bah, Kira, alors. Vous l'aurez voulu. Vous l'aurez moulu! Comme vos muscles. Après être passé le charme et le grandissement de mon sabre laser. Bon, vaincre les pirates de la griffe de la mort. Ah, c'est un par étape en plus. Ah, un bonus à étape. Kira, tu vas être contente. Tu vas pouvoir châtier du pirate.
Non, ça te plaît, hein. Ah oui, ça te plaît. Pan, tiens, on vous dit donc. Là, pas terrible, mon balayage de force, je trouve. Un peu déçu. Voilà, équipement de survie. Va être content, Dana, que je retrouve tout ça. Oh, il y a un gros, là. Ouh, il y a un gros, là. Seigneur pirate. Ouh, il a l'air gros, mais bon. Il y en a gros, peut-être, aussi. Le pauvre. J'ai arrêté son attaque. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il lui fait, Dana? Hey! D'ailleurs, j'ai une idée. Je vais mettre, quand même, la fente protectrice juste après. La frappe protectrice, comme ça, je pourrais l'enchaîner derrière sans avoir bougé trop la souris. Parce que je suis un point and click, hein, je suis un. Pas un point and click, n'importe quoi moi, un mouse clicker. Quelquefois je fais du clavier, mais plus souvent je fais du mouse click, hein, du mouse click, du souris click, du souris click. Ah bah, je vais regarder un petit peu. Allez, allez, hein, je... très instructif. Kira, ouais, occupe-toi du pirate qui est là. Bon, c'est pas tout ça, mais on a du boulot quand même. Et les pirates sont à moi, mes chers grands boules. D'ailleurs, pan, je les touche comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et toi? Voilà. Ah, c'est bien, il s'est tourné vers la ragoule en premier. Allez, hop, hop, hop. Eh, mais ça tue pas les pirates, hein. C'est dégoûtant. Bon, bah, on va passer au suivant alors. Bonjour, bonjour, messieurs. Je viens prendre le matériel de survie, s'il vous plaît. Bon, je vous ai pas laissé le temps de parler, c'est vrai. Mais je pense que vous étiez hostile. Petit coquin. Par contre, ils ont rien, eux. C'est pas vrai, ça. Allez, vous, là. Si vous avez du matériel à revendre. Faites vos prières. Ou, en tout cas, à rendre. Non. Si. Oui. Non. On ne dirait pas. Ah, si, quand même. Bien. Eh bah, ça commence bien. C'est un peu aléatoire tout ça, bande de pilleurs, bande de pillards, le seigneur là. Ils sont pas très à l'aise face à moi, bon, on sera à moi, hein. Ah, il a carbonisé, enfin carbonité, Kira. C'est pas bien. Kira va pas être contente, et quand Kira pas contente, elle est toujours faire ainsi, regardez. Hop. Goûte à mon sabre laser, non pas, ah bah non. Allez, Kira, tu me fais mentir maintenant? Voilà. Voilà le petit Kira qui s'amuse comme une petite folle. Bon, tu me trouves le matériel, hein, Kira, seulement ça suffit. Hein. Ah, je commence à bien faire. Hein. Je suis obligé de tous les exterminer pour avoir le matériel, hein. C'est quand même. Un peu chaud quand même, hein. Ne faites pas attention à moi. Tous ces meurtres, bah si, je suis un peu obligé là. Bon ben, vas-y, hein, fais-toi plaisir. On va y aller un peu l'étape suivante. Là. Je ne tiens pas du tout. Je pense que c'est tu es peut-être les leaders. Hein. Parfait. Le matériel, il en reste encore un. C'est quoi le suivant? Étape suivante, découvrir les munitions et prendre. Détruire la munition, pardon, et prendre la puce d'idée du maître de guerre des pirates. D'accord. Ouais. Ouais, ça doit être. C'est quoi? C'est où? Ah, c'est pas là, c'est derrière, donc c'est ici. Bon, en attendant, moi j'ai encore du matériel à récupérer, donc hop. Oh bonjour, je viens pour vous tuer. Non, je vais pas vous... je viens pour vous arrêter, excusez-moi, hein. Jedi avant tout. Oui, tu vois, mon record chef, mais... Ah, bah voilà. Parfait, la dame va être contente. Ah, ici, nous avons un protecteur, avec un coffre derrière. J'ai bien envie de attaquer. Bah, on va faire les fous, on va les folles plutôt. Allez. Ça vous apprendra, mais eux... Si tu veux... Pas question que je me laisse faire, hein. Tiens, pour la peine. Avant, dire qu'avant, en fait, ce genre de personnage, hein, c'était quand même assez dur de les avoir quand on était au niveau qu'on est maintenant, quoi. Allez. Et j'ai eu comme un bête babouin que je suis. Voilà. Comme un bête babouin que je suis, j'ai coupé ma propre canalisation.
N'importe quoi. Il m'a recouvert. Oh, il m'a tout englué. Oh, c'est horrible. Oh, plein de choses. Est-ce que j'ai des places dans mon inventaire? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ah, pas mal. Ouais, bon. J'ai nutritif, feu de soleil et cristal bleu dense. Si j'étais... ouais, j'ai quelques notions d'artisanat, mais quand même. Alors maintenant, il y a plus de... Ça fait longtemps déjà, ça fait peut-être 2-3 mois ou 4... Ouais, peut-être 6 mois même. Il n'y a plus de sous dans les coffres. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé qu'ils gardent des sous dans les coffres. Et ça évite que les gens se battent pour les coffres. Ça, c'est pas mal non plus. Bon, alors par contre, il faut que j'aille tuer le maître de guerre. Enfin, pas tuer. Il faut que je le mette en état de nuire, que je l'arrête, que... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va se passer derrière. Ah non, bah ils m'ont vu. Oh bah, Kira, c'est ce qu'il reste à faire. Hein. Je sais, c'est dur, mais bon. Nous venons de défendre, nous devons nous défendre. C'est tout. Voilà. Oh oh. Rockeragoul. Ah bah voilà le matériel là-bas. Les munitions. Détruire de munitions. Tiens, prends ça. Ah ah. Ah, le maître de guerre est là. Bonjour. Rendez-vous tout de suite. Car je suis la Jedi verte. Et je vais vous en faire baver. Non, non, c'est moi qui vous en fais baver. Non, non, c'est moi. Ah bah d'accord. Ça c'est du maître de guerre hein. J'ai levé le sabre laser une fois, genre un petit doigt levé et il a fait oh mon dieu j'ai peur. Tuez-moi tout de suite. N'importe quoi. Franchement là il y a des fois où je me demande, bon là c'est peut-être pas génial au niveau de l'équilibrage ouais, on dit l'équilibrage des adversaires. Ça devrait être vraiment, vraiment mis au niveau du personnage pour que le combat soit au moins intéressant, quoi. Qu'on puisse utiliser un peu les pouvoirs qui servent à quelque chose. Eh ben non, c'est pas grave. Au moins c'est fun et on n'a pas trop à se prendre la tête. Avant-poste de Brigique, on y va. Je pense que ça va être la fin de la série bonus, je pense. Hein. Ouais, rejoindre Strom, ouais, c'est ça, je pense que c'est la fin de la série bonus. Déjà on va rejoindre Dana Hunt, on va lui rendre tout son matériel, elle va être contente comme tout, elle va sauter dans tous les sens, elle va embrasser Erika sur la bouche, enfin je veux dire sur les joues. Alors on va livrer, hop, les plaques d'identification du maître de guerre, ça ne rapporte pas beaucoup. 6 points d'expérience, eh, oh, 6 points d'expérience c'est mieux que rien. On va rendre la petite mission à Dana Hunt. Je vais être contente pour les colons. Oh, c'est un miracle. Oui, vous avez notre je matériel. Suis un miracle, c'est vrai. J'ai entendu parler d'un autre campement pas très loin d'ici. On va sans doute les rejoindre. C'est une bonne chose. Et surtout, éloignez-vous des pirates. Établissez votre campement dans un endroit plus sûr. Merci pour le conseil. Je sens l'odeur du sang de pirates, oui, puant et gluant. Calme-toi, tous les pirates sont morts, Ivan. On peut partir à présent. On peut construire un nouveau campement. Je sens que lui va finir psychopathe. Ça va être mal parti pour Taris, je le sens. Voilà, influence plus 400, c'est très bien. Et ben on va rejoindre Strom maintenant. Je pense que c'est au spatioport. Je pense, hein. Oui, c'est au spatioport. Donc, je crois que c'est la fin de la série bonus. Mes petits lucides, mes petits agneaux Jedi. On va rendre la mission... la dernière mission, la série bonus, et... on va conclure. Ça aura pris 5 épisodes quand même. Et celui-là sera un peu plus long que les autres, je pense. J'ai pas encore chronométré, mais j'ai pas chronométré. Je chronomètre vraiment jamais, hein, pas vraiment. Hein. Donc, je ne chronomètre jamais vraiment, en fait. Donc, je peux pas vous dire. Pas vous dire. Comme dirait un ami. Pas vous dire. Bon. Alors, c'est à ça que ressemble une ville morte? Ben, c'est pas une ville morte, c'est une planète tombe ouverte. C'est une tombe ouverte, puisqu'il y a des milliards de personnes qui sont mortes avec leurs ossements disséminés ici et là. Un peu partout. Strom. Il est là? Ah oui, c'est Strom, là. Oui, maintenant, c'est plus comme avant, où il y avait le point vert était toujours en permanence. Là, maintenant, il clignote. Donc, faut faire attention. Et voilà. Me revoilà! On a appris la bonne nouvelle. Ah bah oui. Le gouverneur souhaite vous féliciter en personne. Vous avez fait un travail extraordinaire pour Taris. Oui, tout le monde ici vous est redevable. Comme toujours. Mais bon, vous ne me devez rien. J'ai fait ça par devoir, par honneur, pour la vie.
Savoir que nous avons fait de Taris un endroit plus sûr est une récompense suffisante. Voilà. Vous avez fait bien plus que cela. Nous devons encore faire face à des obstacles avant de pouvoir nous mettre sérieusement au travail. Des obstacles que vous pourriez nous aider à surmonter. Quand vous vous sentirez prête à faire plus pour aider la République ici, adressez-vous à Bardo. Il organisera une rencontre à mon bureau. En attendant, prenez soin de vous. Ouais, toujours, regardez. Tout écologique, tout bio. Ce fut un véritable plaisir. Presque vegan. Encore merci pour tout. Presque, parce que bon, j'aime bien le fromage quand même. Alors, eh ben dites donc, hein, 25 000 points d'expérience, on va pas monter de niveau quand même, non? Voilà. Bah voilà, c'était la série bonus de Taris, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un peu facile la fin. Dommage, on n'a pas terminé en apothéose sur une H2, hein, mais non, c'est pas grave. Alors lui, c'est, il donne la mission planétaire que je n'ai pas fait avec Erika, et je la ferai pas d'ailleurs pour l'instant. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on s'est bien éclaté. Moi, je me suis bien éclaté à la faire à nouveau, parce que ça fait très longtemps que je l'avais faite. Hein, et j'aime bien redécouvrir en fait des choses que j'avais totalement oubliées. Ce qui est normal, avec le nombre de missions qui est sur Star Wars en entier, on ne peut qu'oublier énormément, un nombre assez énorme de certaines, enfin, d'entre elles. Voilà, voilà, j'ai du mal à parler en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, ça va être le track de l'improvisation, sans doute. Mes petits Jedi, mes petits Sith, je vous dis à bientôt. Je vous dis abonnez-vous, ne vous abonnez pas, c'est pas grave. Likez, ne likez pas. Mais surtout, dites-moi pourquoi vous ne likez pas. Pourquoi vous n'aimez pas. Pourquoi on dit like et dislike, je sais pas. C'est pas grave. Ça passe dans les mœurs, ça passe dans le langage parlé de tous les jours. Bon, et même écrit. Sinon, big up toujours donc aux petits youtubeurs. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Monsieur Landers, dont je pense qu'il y aura au début de vidéo, il y aura le lien. Dans une annotation. Donc je vous fais des bisous. Alors je vais voir si je peux faire danse. Oui, c'est bon. Voilà. Une petite danse d'Erika, la danse de la Jedi verte, Jedi écologique, la Jedi bio, la Jedi vegan ou plutôt végétarienne. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Cette fois, ce sera sans doute beaucoup plus dramatique, hein, puisque je vais sans doute jouer en série bonus, en tout cas en série, avec Erin Arryn, la maraudeuse Sith, qui a commencé ses états de service sur Makeb, à l'époque dans les vidéos, je crois, hein. Depuis tellement longtemps. Bon, allez, à bientôt tout le monde, je vous embrasse comme d'habitude, et que la force soit avec vous, la force du côté lumineux bien sûr, celle qui ne vous en bouge pas un coin.